Puis il y en a des pommes, dans le fond, ceux-là, c'est les dernières qui nous restent, mais c'est pour les jus de pommes des enfants. Parce que les autres sont plus ou moins coupables, mais après ça, on les élimine. On tombe vraiment avec les pailles en carton. C'est quelque chose qui est progressif, mais qui est, c'est pas encore comme très facile de trouver les alternatives, mais ça va venir parce que t'sais... Ben, ils commencent à être sensibilisés, puis les gens, ils devraient pas acheter dans ces endroits-là si moindrement ils offrent encore du plastique. Je trouvais ça très bien, moi, que la loi oblige les commerçants à le faire. Là, je suis content parce que je pense pas que tout le monde l'aurait fait d'emblée ou ça aurait pris extrêmement beaucoup de temps. Je pense pas que les clients mettent assez de pression pour que ces choses-là soient mises en place. Là, dans les... Moi, par rapport en termes de consommateurs, c'est ça que ça prend un peu de mettre obligatoire parce que c'est ça, c'est quand même plus simple des fois d'être jetable, mais le petit effort de plus, il vaut la peine et c'est important de le faire.